chat. On va chercher des œufs au poulailler. Tu viens avec nous? Oh, tu ne veux pas laisser ton chaton? Il est sur la case 11. Eh bien, va le chercher. Je parie que tu ne sais pas de combien de cases le chat doit avancer pour arriver jusqu'à lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Il a avancé de 8 cases. 3 plus 8 égale 11. Et maintenant, au poulailler. Toutes les poules ne sont pas encore rentrées? Le fermier nous a dit qu'il en possédait 23. On pourrait compter combien il lui en manque. Alors, sur le perchoir du haut, il y en a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poules. Une dizaine, quoi. Plus une poule, 11 poules présentes. Le perchoir du milieu a le même nombre de nids que celui du haut, 10. Donc sur ces deux perchoirs, il y a 2 dizaines de poules. Pour aller de 11 à 20, il faut 9 poules. Il y a aussi 3 nids vides. 9 plus 3 nids vides égale 12. Et si on ajoute les 11 poules qui sont là aux 12 poules qui manquent, ça fait bien les 23 poules du fermier. On va vérifier en posant une addition à trous. À trous? Comme dans le gruyère? Mais non! Allez, 11 poules, c'est 10 de poules plus 1. On commence toujours par les unités. Alors de 1 pour aller à 3, ça fait 2. Maintenant les dizaines. De 1 pour aller à 2, ça fait 1. 11 plus 12, ça fait bien 23 poules. Et avec tous ces bons œufs, on va pouvoir faire plein de crêpes. Si le chaton ne les casse pas tous.